Coucou les filles, ça va? Oh, bah elle dort. Par contre, Lana est réveillée. Ah non, c'était une blague. Tu nous l'as fait à chaque fois, cette blague, ma puce. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, ah, avec des choses étranges dans les mains. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une fléchette. Eh oui, ce sont des fléchettes aimantées. Montre-nous. Ouf, voilà, elle s'aimante. Et la mienne est passée. Oh, elle a carrément arraché Ellie, c'est pas grave. Hop, on va la remettre. Voilà, j'appuie fort. Donc ce sont des fléchettes aimantées. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, aujourd'hui, Batman, on va pas faire Batman. Nous allons faire un challenge, c'est pas... Ouais, on peut appeler ça un challenge. C'est-à-dire que nous allons faire un petit jeu. Je vais vous présenter des objets et il faudra dire si ils s'aimantent ou pas. Voilà, donc on va faire un petit exemple. Par exemple, on a ça. Ça, est-ce que ça s'aimante? Oui. Oui, tu dis que ça s'aimante? Et toi, tu dis que ça s'aimante, ça? Oui. Bah, essayez, allez-y. Non, ça s'aimante pas du tout. Oh non! Ah, par contre, oui, ça s'aimante. Ça, vous savez ce que c'est, ça? Oui. Un vis. Est-ce que ça s'aimante? Oui. Oui? Bah, essayez. Ah ouais, ça s'aimante. Ouais, voilà. Ok, vous avez compris le principe? Ouais. Vous avez compris le principe, les filles? Bon, eh ben écoutez, on va faire défiler quelques objets et on y va tout de suite. Et nous revoici avec un magnifique... Il fait nuit dehors, oui. Avec un magnifique plateau de fromage. Non, avec un plateau d'objets qu'on va essayer d'aimanter ou pas. Ouais, c'est ça ma puce. Alors on y va. Je me suis trompé? Oui. Bon, attends, on va commencer tout de suite avec ce magnifique joyau qui nous vient d'une région reculée d'Amazonie. Non, je dis n'importe quoi, hein. C'est un jouet du quick. C'est un jouet qui vient du quick. Alors, ça s'aimante ou ça s'aimante pas? Ça s'aimante pas. Ça s'aimante pas? Eh ben, allez-y, essayez. Ah 0 point, 0 point. Oui, c'est vrai, c'est en fer. Eh oui, c'est en fer, ça s'aimante. On le voit, hein, allez-y. Tac, et voilà, ça s'aimante. Non, tu ne le piqueras pas. Bon, alors on va passer à un autre objet alors, puisque là il y a 0-0. On va passer à cette magnifique figurine de Ray. Tu la connais, avec, hein? Avec Pascal. Il y a Pascal, là on le voit. Ça s'appelle Pascal? Ouais, c'est Pascal. Bah, ah ouais, alors, ça s'aimante ou ça s'aimante pas? Ça s'aimante pas. S'aimante pas, allez-y. Eh ouais, ça s'aimante pas. On peut pas l'attirer avec l'aimant. La force d'attraction ne fonctionne pas. Bravo, un partout. Ellie, elle essaye tant bien que mal. Ça va s'aimanter, je te dis que ça va s'aimanter. Allez, on passe au suivant. Si je dis 7 cuillères. Oui. Ça s'aimante? Ça s'aimante pas. Ça s'aimante pas? Ça dépend la partie. Ça s'aimante. Eh ben allez-y. Tu prends la ferraille, ça s'aimante. Si tu prends le plastique, ça s'aimante. Eh ben regarde bien, maman. Si, ça s'aimante, c'est le plastique. Regarde bien, essaye le plastique. Ah, c'est pas le plastique, c'est le bout de fer. Ah, ça s'aimante. Oh là là, ça s'aimante. Eh oui, ça s'aimante. Ellie, elle fait de la lévitation. Bon, ben là, on a un point, Ellie, zéro pour le moment. Hein. On passe au suivant? Oui. Alors, on a vu qu'une cuillère, ça s'aimantait. Est-ce qu'une cuillère, ça s'aimante encore? Celle-ci, par exemple, cette cuillère un peu molle. Ça s'aimante pas? Allez-y, regardez. Non, ça ne s'aimante pas du tout. Et non, on a deux points. Moi, j'ai deux points. Ben, toi, t'as deux points. Et Ellie, elle a deux points. Non, t'as deux. T'as un point. Deux points avec ah oui, trois. Trois à deux. C'est ça, trois à deux. Ellie, elle a un 6. Elle se dit, je vais bien y arriver à faire aimanter ce truc-là. Allez, on passe à un nouvel objet. Attention, Ellie, mets-toi bien dans ton siège pour ne pas tricher. Si je vous dis cette pièce de 50 centimes. Ça s'aimante. Est-ce qu'elle s'aimante? S'aimante. Ça s'aimante? Oui, ben essayez. Ah, dommage. Allez. Allez, on va réparer les outils. Allez, ma puce, donne l'aimant à Lana. Décidément, j'aurais dû coller. C'est dur, vous voulez que j'essaye? C'est bon? Alors, vous m'avez dit quoi sur cette pièce de 50 centimes? Ça s'aimante. Et toi, maman, tu dis quoi? Ça s'aimante? C'est quoi? Oui. Attends, on fait la bataille. Non, alors, est-ce que ça s'aimante? Elle va s'acheter des bonbons. Allez, est-ce que ça s'aimante? On va y arriver enfin, oui, à savoir si ça s'aimante cette pièce. Moi, je m'asse patiente là. Je m'asse patiente. Du verbe s'asse patienter. Alors? Eh non, ça ne s'aimante pas. Ah, je vous ai eu. Allez-y, essaye ma puce. Regarde.
Non, non, c'est une vraie. C'est un métal qui ne s'aimante pas. Ah, je t'ai eu, maman. Hein. Ah, c'est pour ça que les carabancaires, il faut pas mettre des... Les carabancaires pas mieux, pas mieux que moi. Hein. Alors, on va passer à une autre pièce. Une pièce de 5 centimes. Eh, hey, trichez pas. D'abord, je veux savoir si ça s'aimante ou si ça ne s'aimante pas. Va t'asseoir, ma puce. Ouais, ça s'aimante. Elle s'aimante, celle-ci, vous êtes sûr? Mais c'est pas le même. Bah, on va essayer, allez-y. C'est une culotte. Ouais, ça s'aimante. Ellie, elle adore les sous. Hein. Regarde. Oh, c'est rigolo. Donc ça, ça s'aimante. Je te l'applique si ça marche. Allez, nouvel objet. Attention. Vous m'avez dit que le fer, en général, ça s'aimante. Hein. Ah bah tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille d'aluminium. Attends ma puce, va t'asseoir. Il ne faut pas être trop près, sinon c'est que tu triches. Alors, est-ce que ça s'aimante, la feuille d'aluminium? Non. Ça s'aimante ou pas? Ça s'aimante pas. Pas? Pas. Pas, allez-y, essayez. Eh ouais, ça s'aimante pas. Que dalle. Même si on le met en boule. Allez-y, mettez-le en boule. Ah ouais, non, mais Lana, la tricheuse. Oh, la tricheuse. Pas du tout, je veux pas de quoi vous parler. Bon, ça ok. S'est monté, non. Grosse tricheuse. Allez, si on le met en boule, est-ce que ça s'aimante? Non, non, non. Allez-y. On sait jamais, hein. Bon, que dalle. Bon, alors l'aluminium. Ouais, ouais. Tiens, une clé, est-ce que ça s'aimante, une clé? Une clé. Ça s'aimante? Attends, tu m'as pas dit, ma puce, ça s'aimante ou pas? Lana, elle a dit oui, tu dis oui, oui. Allez-y, essayez. Lana, elle avait dit oui. Alors, ça s'aimante ou pas? Oui. Montre-nous, Ellie. Attends, on voit pas, Ellie. Montre-nous. Attends, mais... Effectivement. Ah, une clé, ça s'aimante. Il y a eu balle de clé. Alors, effectivement, ça s'aimante. Montre-nous, ma puce. Voilà. Montre-nous ma puce, on voit pas. Ouais, voilà, ça s'aimante. Super. Allez, autre chose. Est-ce que un Playmobil en armure, ça s'aimante? Non. Ça s'aimante pas? Non. Bah essayez. Ah ouais, ça ne s'aimante pas. Non, normal. C'est que du plastique. Non. Même si c'est une armure, c'est une armure en plastique. Donc ça ne s'aimante pas. Alors, est-ce que ce gros vis métallique s'aimante? Oui. Attendez, il faut me le dire d'abord. Alors là, oui, Lana dit oui. Ellie, ça s'aimante ou pas? Non. Non? Essayez. Oui. Ouais, ça s'aimante. Ellie, assieds-toi, tu vas te faire. Ellie, elle fait n'importe quoi. Elle est sur la table. C'est du grand n'importe quoi. Bon, on passe à un nouvel objet? C'est n'importe quoi. Hein. Bon, et maintenant, si on passait à un autre petit objet, par exemple ça. Vous savez ce que c'est? Une prise. Une prise, ouais, une rallonge. Une prise. Non, comment ça s'appelle? Une multiprise. Est-ce que ça s'aimante? Ellie, triche pas. Est-ce oui. que ça s'aimante? Tu si dis oui? Et toi, Ellie, tu dis quoi? Elle dit oui. Tu dis non? Elle va dire non. Allez, on essaye. Et ça ne s'aimante pas du tout. Ah! Eh ouais, donc Lana a perdu cette fois-ci. Ellie a trouvé. Moi, oui. T'as perdu aussi, maman. Et oui, parce qu'il y a beau y avoir du fer, ça ne marche pas. Mais pourquoi il y a du fer qui s'aimante et du fer qui ne s'aimante pas? Alors là, tu demanderas au professeur, je sais tout, parce que moi, je n'en sais rien. Je vais voir mon prof, c'est qui? Alors, nouvel objet. Oh, encore une clé. Ellie, ne triche pas. Est-ce que ça marche? Ça s'aimante ou pas, une clé comme ça? Mais oui, on t'a dit que ça s'aimantait, les clés. Ah bon, bah oui. Papa, elle, moi, je dis non. Non, et toi? Oui ou non? Non, essayez. Oh, bizarre, elle ne s'aimante pas, maman. Tu t'es fait avoir. Eh oui, il y a des clés qui s'aimantent et il y a des clés qui ne s'aimantent pas. Bon, dernier objet. Moi, je dis que oui. Mon téléphone portable. Alors, est-ce qu'il s'aimante? Oui. Il s'aimante. Est-ce qu'il s'aimante, mon téléphone portable? Ouais. Non. Mon super téléphone portable. Elle a dit non. Moi, alors, oui. Tu dis oui, tu oui. dis non. Essayez. Eh oui, il s'aimante. Regardez-moi ça, il s'aimante. On n'aurait pas cru, hein. Elle va déterminément regarder la carte SIM. Et elle va tout effacer. Bon. Et le plat, est-ce qu'il s'aimante? Allez, finissons par le plat. Ça s'aimante ou pas? Bah, je sais pas. Oui. Allez-y. Oui, ça s'aimante. Normal, il est en fer. Bon. Alors maintenant, on a fait le petit challenge. Moi, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vous avez 2 secondes. Je reviens tout de suite. C'est parti.
Et on se retrouve pour mon petit tour de magie. Alors, vous voyez, j'ai mis quelques petits morceaux de papier, des confettis que j'ai déchirés moi-même. Hein, bon, je les ai mis sur la table et je me demande si ça, on peut l'aimanter. Ça s'aimante ou pas, les enfants? Oui. Tu dis oui? Ok. Tu dis que ça s'aimante, toi, ma puce? Non. Bah, essaye. Non, eh non, ça s'aimante pas. Bah oui, le papier, ça s'aimante pas. Alors, j'ai un ballon. Est-ce qu'avec un ballon, ça s'aimante mieux? Oui. Non, pas du tout. Ça marche pas non plus. Alors, comment je vais faire pour... Attends, ma puce, regarde bien. Regarde bien. Regarde bien, ma puce. Tu vois, là, ça marche pas. Eh bien, regarde bien. Je prends le ballon. Je le frotte. Je le frotte. Je retire les électrons, ça s'appelle. Je le frotte. Et regardez bien. Ta-da ! C'est magique. Il le fait. Regardez bien. Allez, essaye, ma puce. Vas-y. Il fabrique un ramasse-poussière. Alors, ma puce, tiens, il faut frotter là. Tu vois ? Tu frottes. Mana, essaye d'attraper les petits confettis. Montre-nous. Ouais, ça marche. Et voilà, c'était la fin de notre challenge. Donc, pour finir en beauté, nous allons ouvrir deux petits paquets. Ce sont des princesses Disney, Sophia. Ta-da ! Deux paquets différents. Donc, maman Sophia, c'est qui ? Sophia, eh ben, c'est une petite nouvelle qui est adoptée par... Papa ? Sa maman, elle se marie avec le roi, je crois. Maman ? Et du coup, elle devient princesse. Du jour au lendemain. Papa ? Allez, on en ouvre un et puis on en ouvre deux et puis on verra ce qu'il y a dedans. Oh, ben ouais, il n'y a pas besoin de ciseaux en fait. Allez, tiens Lana, tu nous aides? Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, c'est des Polly Pocket en fait. T'as une bague C'était une bactéière, paix à son âme. Avec des oreilles. Oh, comme c'est joli. C'est une boucle d'oreille, ça, maman? Ouais. Mais il faut avoir des oreilles de 6 pieds de long. Mais non. Ah, ça s'accroche comme ça. C'est comme ça. Ça s'accroche ici. Une boucle d'oreille. Waouh. Regarde ma puce. Je la mets. Très jolie, regarde. Donc ça, c'est la bactéière. Ils sont sérieux, c'est une bague, ça? La vache, elle est énorme. Elle s'ouvre, ma puce. Elle s'ouvre dedans. Elle est dedans, la princesse. Alors déjà, on va regarder ces magnifiques petites boucles d'oreilles. C'est son meilleur ami et sa meilleure amie. C'est qui? Je sais pas les prénoms. T'as pas les prénoms, maman? Et ça, c'est quoi? C'est des tasses? Ouais, c'est des petites tasses pailletées bleues et roses. C'est trop mignon. Et là, on en a d'autres. Ah bah voilà, princesse Sophia. Avec... Et là, on a son lapin, là, son animal de compagnie. Je sais pas comment il s'appelle. C'est trop mignon. Et une de ses copines, je pense. C'est magnifique. Ok, on a la théière. Donc, si on ouvre la théière, dedans, nous avons... Bonjour, je suis Sophia. Ah, je viens de me le faire honteusement voler par Ellie. Bon, mais c'est joli, ça. Et l'autre... Le dernier. C'est quoi, l'autre, ma puce? Ah, c'est aimanté. On aurait pu jouer avec ça, effectivement. Et moi, j'aurais dit non en plus, parce que si on regarde bien, c'est un plastique. Oh, Sophia. Mais derrière, il y a... Sophia. Ah, Sophia, elle est dedans aussi. Il y a deux Sophia. Oui. Waouh, nous avons donc deux Sophia. Bon, bah c'est super. C'est super joli. Des bagues. Tiens, tu veux en mettre une, Ellie? Moi, je suis là. Non, hein. Tu peux en mettre une sur le nez aussi, c'est rigolo. Tiens, viens, Lana, moi, ça... Bon, ouais, c'est super. Et ben, on va se déguiser, on va mettre des déguisements et on mettra ça. Ah ouais, on peut les enlever. Ah, super. On peut enlever les petits personnages pour les voir de plus près, par exemple. Ça, on dirait Lila, ma puce, ton petit lapin nain. T'es joli. Ouais, enfin, ton moyen lapin nain. Ton énorme lapin nain. Ouais, c'est vrai, c'est super joli. Ouais. Sophia. C'est pas Sophia, elle est où Sophia? Ouais, il a pas bien regardé le dessin. Je vais vous faire un aveu, je ne connais pas du tout. En fait, je connais pas princesse Sophia. Vous l'avez là, il y a 2 secondes en carton. Ils sont là, les deux Sophia, regarde. Elles sont là. Regarde à quoi elles ressemblent. Les deux Sophia. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, moi je connais pas princesse Sophia. Hein. Moi, tu m'aurais dit, je sais pas, prince Actarus. Ah, des trucs qui ont 30 ans. Bon.
La Reine des Neiges, et ben c'est super beau. Est-ce que Princesse Sophia s'aimante? Non. Par contre, si je mets deux aimants, est-ce que je peux aimanter Princesse Sophia? Non. Non plus. Ça se repousse. Bon, ça marche pas. Bon, ben les filles, c'était super. Merci de votre participation. Nous ferons d'autres vidéos de challenge, mais en attendant, nous allons vous dire... manger. Ah, nous allons manger aussi. Ouais, j'ai trop faim. Ouais, on va manger, c'est l'heure en plus. Alors, on dit à nos petits copains et à nos petites copines, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit à bientôt. On vous fait de gros bisous. Gros bisous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les pouces bleus. Les pouces bleus. Les commentaires. Les bisous, les tout ce que vous voulez. À bientôt. Hé, Lana, j'ai une idée. Fais voir ta bouche. Allez, fais voir ta bouche. Mais tu crois que ça s'aimante, tes bagues? Oh, ça s'aimante pas! Ça s'aimante pas, ça marche pas! Par contre, il y a un truc qui marche. Là! C'est la barrette d'Elie. Eh! Oui! Eh! T'as son chouchou! Ah. Oh, elle a des antennes comme un petit extraterrestre! Allez, mes puces, vous êtes super! À bientôt!